Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo, alors non pas un tuto, enfin entre guillemets. En fait, je vais vous montrer comment faire des échelles de couleurs pour avoir des couleurs de pâte originales et pas prendre uniquement celles qui sortent du paquet, basiquement. Donc, j'ai trouvé ce fichier PDF. Donc, je l'ai mis sous ma plaque en vert. Comme ça, je peux faire le tuto, enfin vous montrer comment ça marche sans le salir et pouvoir le réutiliser après. Donc j'ai trouvé ce fichier PDF sur le blog de Maggie Maggio. Alors je vous mettrai le lien du PDF dans la barre d'infos. Donc c'est tout simplement, vous risquez de pas très bien voir. Donc là il est marqué Color Scales for Polymer Clay, donc échelle de couleur pour pâte polymère. Il vous suffit de choisir une couleur A et une couleur B, de prendre le nombre de carrés indiqué et de suivre le processus en fait. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. L'important, c'est d'avoir une couleur claire et une couleur foncée. Couleur que vous voulez. Après, vous faites vos mélanges comme vous en avez envie. Ce qui compte, c'est d'avoir deux couleurs de contraste. Voilà. Donc, je vais prendre deux couleurs différentes. Et je reviens tout de suite pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, j'ai choisi comme couleur claire du rose pastel. Donc, c'est le rose pastel, le numéro 205 de chez Fimo dans les couleurs Effect. Et j'ai choisi du noir, donc le noir soft, tout simple. Le numéro, c'est 9 chez Fimo toujours. Donc, comme vous voyez ici, j'ai mes carrés de couleur claire et là, mes carrés de couleur foncée. Donc, je vais prendre un petit emporte-pièce qui est de la taille des petits carrés et je vais en faire le nombre qu'il y en a. Donc, il y en a, si je ne me trompe pas, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 2. Donc, il faut que j'en fasse 8. J'ai pas précisé, j'ai étalé ma pâte au rang le plus épais de la machine à pâte. Donc si vous n'avez pas de machine à pâte, vous pouvez utiliser un rouleau, il suffit de vous mettre sur le côté des piles de post-it d'épaisseur équivalente de chaque côté de votre rouleau. Donc une fois que j'ai fait ça, je prends mes petits carrés et je les mets là où ils sont censés être positionnés. Donc quand vous voyez des carrés entourés de traits complets, c'est qu'il faut mettre un carré. Quand vous les voyez entourés de petits points, donc si vous téléchargez le fichier, vous le verrez, celui-là est entouré de petits points. Vous, c'est celui que vous voyez, oui, c'est celui que vous voyez là. Celui-là est entouré de petits points, les autres, ils sont entourés de lignes complètes. Hop. Donc le tuto, elle l'a fait, mais en anglais. Et comme je sais que la plupart des fimoteuses ne sont pas très très bonnes en anglais, je me permets de refaire son tuto en français. Comme de toute façon, il n'existe pas. Et que je la cite, je vois pas le problème. Bref. On va faire exactement la même chose avec le noir. Donc pareil, il m'en faut 8. Voilà, je réserve mes restes de pâte. Et on y va, on refait la même. Voilà. Donc, les quatre qui sont séparés là, on va les mélanger ensemble. Ce sera le moitié-moitié de chaque couleur qu'on va reporter ici. Donc en fait, je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère que oui, sinon vous ferez avec le papier sous vos yeux. Les quatre carrés que j'ai là, je dois les mélanger. J'ai un petit trait qui va derrière. Je dois faire une espèce d'ovale et découper deux carrés dedans. Les deux carrés, je vais les mettre de côté. Et le reste de ma pâte, je vais la rouler en boule pour faire un demi de chaque couleur. Moitié-moitié. Donc j'ai mon moitié-moitié. Je découpe mes deux petits carrés. Vous voyez que c'est quand même plus clair que le noir. Ça fait une espèce de gris rosé. C'est beaucoup plus foncé que le rose, forcément. Donc ce qui me reste. Ça va là, et je l'aplatis légèrement. En fait, j'en ferai une perle. Et j'enfilerai mes perles de la plus claire à la plus foncée pour voir le dégradé complet. Donc, mes deux moitiés. Hop. Je décale une pièce de rose à côté et je mélange mon rose et mon moitié gris rose. Enfin, noir et rose. Et je remélange. Donc, j'ai remélangé mes deux couleurs. Comme tout à l'heure, je prends le restant de pâte. Je forme une petite boule avec.
Hop, et elle va dans mon 1 quart. Voilà, ça descend d'un cran. Je reprends un morceau de rose et je remerge. On y retourne. Je conserve mon carré. J'ai encore une perle. Je reprends du rose. Hop. Et en fait, je vais continuer jusqu'à arriver quasiment à mon rose. Donc normalement, je vais utiliser toutes les plaques de rose qui me restent. Pour le noir, ce ne sera pas forcément le cas parce que c'est plus simple de foncer une couleur que de l'éclaircir. Hop. Donc je pense que vous voyez quand même que ça se dégrade petit à petit. Donc voilà, je suis arrivée à l'étape, donc à revenir à mon rose numéro 204. Je ne me suis pas trompée au moins. 205, c'est bien, je vais pouvoir recommencer. Donc je suis arrivée à mon numéro 205 à force de mélanger ma moitié de couleur plus du 205. Donc après, ce qui est important, c'est que si vous arrivez par exemple à cette couleur-là, vous savez qu'il faut mélanger moitié-moitié de la couleur B et de la couleur A et rajouter des touches de couleur jusqu'à arriver à celle-là. Donc ici j'ai moitié-moitié. Donc imaginons ici j'ai un morceau d'un porte-pièce noir et un morceau d'entre-pièce rose. Ici un de noir, deux de rose, un de noir, trois de rose, un de noir, quatre de rose, un de noir, cinq de rose, un de noir, six de rose, etc. 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 Pour revenir vers le noir, ça va être beaucoup plus simple. Donc j'ai ma moitié. Si je la mélange au noir, déjà à mon avis, on va arriver une couleur très foncée, puisque le noir, de toute façon, se fonce vraiment très très vite. Et on revient vite au noir avec nos couleurs de base, quoi. Je vous mettrai également le tuto qu'a fait Maggie Maggio sur YouTube. Il sera en anglais, mais ça vous permettra de voir les couleurs qu'elle a utilisées, elle, puisqu'elle a pris du jaune et du bleu cobalt. Donc, ce qu'il y a de bien avec ce fichier PDF, c'est que ça vous permet de faire des dégradés et des niveaux de couleurs avec absolument toutes les couleurs qui existent, que ce soit chez Prémo, chez Cernite, chez Fimo, chez ce que vous voulez. Vous avez vraiment du choix chez Kato Polyclé, chez voilà. Vous pouvez utiliser toutes les couleurs que vous voulez, mélanger les pâtes polymères entre elles pour voir les différences que ça fait. Moi, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, moi, ce que j'aime bien, c'est mélanger du nacré avec une autre couleur et éventuellement faire des dégradés pour voir où la couleur est la plus jolie et où est-ce qu'on voit le mieux et la couleur et les paillettes. C'est pas forcément à moitié-moitié, c'est pas forcément au plus clair ni au plus foncé. C'est entre les trois. Donc voilà, faut pas hésiter. Voilà. Moi je trouve ça important de jouer avec les couleurs et de créer ses propres couleurs. Faut surtout pas hésiter avant de travailler et faire des nouveautés à créer de nouvelles couleurs, quitte à passer du temps à malaxer votre pâte et à la travailler, parce que c'est comme ça que vous arriverez aussi à vous créer une originalité. Vous pouvez pas faire des macarons couleur citron en utilisant juste la couleur jaune. Un vrai macaron citron, il sera jamais jaune jaune, il sera jaune un peu plus clair. Et là, pour ça, il faut vous dégradiez du jaune vers le blanc pour savoir quelle couleur exactement correspondra à votre macaron couleur citron. Idem pour la couleur pistache, pour la couleur menthe, etc. Vous pouvez pas utiliser les couleurs telles qu'elles sortent du paquet parfois, ça sert à rien. Rien que pour la couleur gâteau. Je suis sûre que si vous mélangez du jaune vers le marron, vous allez trouver une couleur gâteau dans cette zone-là. Donc sûrement pas au milieu, mais sûrement là vers les plus clairs. Il n'y a qu'en faisant vos tests de couleurs que vous arriverez à avoir des couleurs originales et qui feront de vous une créatrice un peu différente, quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé à utiliser cette fiche. Elle est tout en anglais et je ne peux pas prendre le temps de vous la traduire. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. Je ne pense pas que ce soit très compliqué, mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez me retrouver soit en commentaire, soit en message privé, soit sur le forum Follement Filmbook si vous êtes dessus. Je ferai sûrement une fiche technique sur les couleurs d'ailleurs après cette vidéo. Vous pouvez me trouver sur Facebook, voilà. Vous avez le choix pour me poser vos questions. Et surtout, n'hésitez pas. Voilà. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à commenter et à vous abonner. À très bientôt!